Non, les Pachani, ce coup-ci avec le vrai Pachani, ce coup-ci beaucoup trop fort. Baisse le son, baisse le son, baisse le son, Verlet, baisse le son, baisse le son. Pas d'agression. Voilà. Sérieux, le mix audio, quoi, c'est dégueulasse. Pourquoi y a pas d'ingé son chez Webedia? Du pognon, elle a plus quoi savoir en faire. Et rien à battre. Continue, et continue de nous mixer l'audio n'importe comment, ce monde de chiens. C'est inadmissible. Bonjour à tous, nous sommes de retour. Et oui, après l'échec de Monsieur Karaté sur la JVTV, ce dernier s'est fait tout simplement virer. Plus d'argent, plus de retard, trop de retard cumulé. A entraîné évidemment eh bien, l'annulation totale de son contrat sur jeuxvideo.com. Et Frédéric Lu a admis son erreur. Il est venu chez moi hein, à quatre pattes et en short. En me suppliant, Verdier, s'il te plaît, reprends les Pachani. À l'époque de Gaming Live, les émissions, c'était vraiment bien. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu d'une qualité de plus en plus basse. Tu avais raison, tu avais raison, tu avais raison. Je lui ai dit, écoute, relève-toi, Trunks, ça n'est pas la peine de t'agenouiller. En plus, en short, c'est vraiment très, très gênant. Je vois tes mollets, tout ça. S'il te plaît, nous ferons la paix. Va parler à Monsieur Karaté, tu ne peux pas comme ça... Rage quitter, tout envoyer péter. Je veux bien assurer l'intendance un jour ou deux avec il est pas shiny, mais jamais, jamais je ne prendrai la place de mon frère. Oh, ils sont en discussion actuellement. Monsieur Karaté avait aujourd'hui rendez-vous à midi pour eh bien dîner et discuter sérieusement de son avenir ici au sein de la JVT. Il est arrivé à 13h30. Frédéric lui avait déjà fini de manger. Bon, évidemment, quand ton avenir est en jeu et que tu arrives une heure et demie en retard. Aïe. Oui, déjeuner. Oui, déjeuner à midi. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Vous avez compris. Malheureusement, le retard accumulé fait que... Bon, la discussion s'est assez mal engagée, je dois bien vous dire. Du coup, bon, il lui a dit, va à la Japan Expo immédiatement. Dans cet enfer et ramène-nous des vidéos pour Mangasur. Si tu fais bien ton travail, il y a une chance pour que ton emploi soit sauvegardé. Je dois bien vous avouer que toute cette tension palpable hein, au sein des équipes de Webedia me met parfois assez mal à l'aise. Hein. Je me dis, mais mince, pourquoi est-ce que tout le monde ne peut pas s'aimer les uns les autres? Ça me paraît compliqué. Moi, je suis au milieu de tout ça et je me dis finalement. Je serais bien mieux sans tout se merder. C'est vrai quoi. N'empêche, quand je vois tous ces talents incroyables hein, qui ont réussi sur 3-4 dramas ou 2 photos de leurs jambes, je me dis que moi aussi j'ai posté des photos de mes jambes et retweeté à l'infini sur Twitter pour avoir une chaîne YouTube qui va passer les 200 000. On va dire que je suis en train de me faire une liste de la méta actuelle de la popularité sur internet. Et je dois bien vous avouer qu'il y a des méthodes que je ne soupçonnais pas mais qui ont l'air vraiment vraiment sensationnelles. Petit coup de clonage. Non, aucune jalousie. Justement, hein, j'apprends moi-même des meilleurs. Voilà. Surfer sur du drama pour faire des vues, surfer sur du drama pour se créer une personnalité alors que personne n'a rien à foutre de toi avant. C'est pas mal. Moi, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc je vais essayer moi-même de créer du drama pour essayer de surfer sur la propre vague que j'ai créée. Ça peut être pas mal, non? Ça peut être pas mal. En attendant, il n'y a qu'une seule chose qui m'importe pour moi, c'est de réussir sincèrement à sauver l'emploi de Monsieur Karaté. La Trunks c'est très 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 en colère. Je vois, il est comme ça. Regardez. Quand il est comme ça, c'est qu'il est très contrarié. Visiblement, il n'a pas de retour sur investissement du PC à 5000 euros et de la caméra à 1500 balles qu'il a donné à Monsieur Karaté. Du coup, sans retour sur investissement, malheureusement, je trouve Trunks ultra tendu. Aïe 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 aïe. Ultra tendu.
Alors je lui dis, t'inquiète pas, il lui faut du temps, monsieur Karaté, ne t'en fais pas. Il va te ramener des vidéos de la Japan Expo. Tu n'auras jamais vu ça. Le truc, c'est que lui, Frédéric, lui, il attend des vidéos de petites culottes de cosplayeuses, tu vois. Mais Karaté, comme pour lui, c'est halouf ou je sais pas comment on dit, bah jamais il peut prendre ce... Alam, c'est ça. C'est Alam, c'est ça, c'est Alam. Jamais il pourra prendre des... jamais il pourra prendre ce genre de vidéos. Du coup, Trunks se dit que finalement, il a peut-être envoyé la mauvaise personne. Je me lance dans l'e-sport sur ARMS et le tweet sera viral. C'est peut-être le cas, j'avoue. ARMS qui va être complètement là, un des sujets de Meurs pas sans ton pif ce soir. C'est aussi le retour de Meurs pas sans ton pif ce soir. Je vais mentir para pour bien... pour bien comment entamer ce match. Bah oui, c'est cochon. Moi, une putaclic, mais jamais. Jamais, jamais aucun RT plus follow, rien. Rien. Rien, rien, rien. Non, justement, je vais apprendre des meilleurs. Moi aussi, je dois devenir viral. Moi aussi, il faut que je puisse être le plus viral possible. Alors, évidemment, Stropole, c'est très important. On pourrait lancer tout un tas de sondages. Mais le truc, c'est que comme le setup que j'ai fait à gauche, là, sur le fond vert, a fait pouf, c'est tout, 10 minutes avant que je commence l'émission. Je me demande comment est-ce qu'ici je peux faire réellement des sondages. Je suis en train de me poser la question. Ah, attendez. Je vais résoudre ce problème. Comment est-ce que je pourrais faire? À mon avis, je pourrais prendre mon PC. Fais faire ça. Mon PC qui est là. Impeccable. Normalement, il doit être rechargé. J'ai vraiment tout cassé. Voilà, avec ce PC là. Et l'application Twitch, je peux lancer des choses comme ça. Maintenant, il faut juste que je retrouve. Fra! Je me reconnecte. Je me reconnecte. Je me reconnecte. Internet a été perdu! Imaginez, imaginez-vous sans Internet, comment pourriez-vous vivre? Stropole classique, bah, de toute façon, le problème reste le même. Il faut que je puisse accéder à un ordinateur. What? Tu me tapes pas, toi. T'appelles ton copain. Merci. Il faut de toute façon que je puisse accéder à un ordinateur. C'est obligatoire. Alors, est-ce que je peux avoir accès au giveaway à partir de là? Non, car je ne suis pas connecté sur le bon compte. C'est merveilleux. Extraordinaire. Je vais me reconnecter. Togemaru est là. Je le fla. Dégage. Impeccable. Alors, il y a Monster Hunter sur Switch apparemment à la Japan. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer ça? Oh là, je suis pas sûr, non? Il y a bien Monster Hunter cross-cross à la Japan. Oh, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est ouf. Mais qui a apporté ça? C'est ouf s'il y est. Alors, tu penses pas que le collecteur de Metroid est méga cher pour 2 pins? Ah si, mais le collecteur de Metroid, c'est une arnaque. Bien sûr, c'est une arnaque. C'est pour ça qu'il faut l'acheter. À mon avis, il va être encore plus cher. Le stand de Nintendo? Le stand de Nintendo? Êtes-vous sûr de ce que vous avancez? Attention, hein. Attention, il faut être sûr de ce que vous avancez. Car sinon... sinon, vous risquez des soucis. Allons voir sur Twitter. Twitter... je suis obligé de me connecter ou je peux rechercher? Voyons voir Monsieur Karaté. Monsieur Karaté sur Twitter. Ok, donc il est là. Voyons voir les tweets de Monsieur Karaté. Ah, il y a la dédicace de Mehdi, Monsieur Karaté, c'est ouf. Jamais j'aurais cru qu'il puisse repartir avec une dédicace de Mehdi un jour. Est-ce que j'ai cet écran? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai la moitié de l'écran. C'est bien, regardez. J'ai la moitié de l'écran, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai la moitié d'une dédicace de Mehdi. Oh, on fait ça avec ce qu'on a, hein, quelque part.
putain, mais quelle merde! C'est vraiment ça que j'ai fait, j'ai vraiment fait ça moi-même. Ah, c'est ouf. Tweet. Ah, mais bien sûr que non. Voilà, impeccable. Je crop ici. Voilà, c'est bien mieux. Regardez ça. Voilà. Regardez, on peut revoir Monsieur Karaté heureux de vivre. Regardez comme il est heureux. Il a une signature de Mehdi. Il a aussi le stand de Natachouille. Oh, quel Japan Expo incroyable. Dédicace de Mehdi. Hein. Aonuma devant l'Arc de Triomphe. Ça, on sait pas ce que c'est, mais ça a l'air violent. Et la manette du Guac. Il tweet pas beaucoup, hein, Monsieur Karaté, hein, quand même. C'est malheureusement pas vers lui que les tweets les plus intéressants vont être là, malheureusement. Rassurez-vous, hein, si on trouve d'autres sources d'informations délectables, on vous tiendra encore. Alors, va-t-on avoir des nouvelles de Daigo et de sa moustache de nazi ce soir dans MPSTP? Non, pas trop, non. On va pas spécialement s'intéresser à ça. Ouais. Je pense pas que c'est... Est-ce que je suis saucé par Takoyaki 2? Alors, j'aimerais bien jouer à Takoyaki 1 déjà. J'aimerais bien. Non, moi la Japan Expo... Pourquoi je vais aller à Japan Expo? C'est une bonne question. Pas bon ça. Je sais pas trop pourquoi je vais aller à Japan Expo en fait, pour vous dire la vérité. Oui, Trunks? Hein? Pentaro, c'est mieux. Ah, Pentaro. On peut toujours compter sur lui. Hein. On peut toujours compter sur Pentaro. Alors, Pentaro. Ah, j'avoue, Pentaro, c'est déjà tout de suite mieux. Hein. Vous allez voir. Hein. La différence entre un vrai journaliste et un guignolo. Regardez ce Moïp Sako sans... Regardez un Jill harcelé par ses fans. Oh là là. Regardez ça. Hein. Des Jojo poses de Joyper et de Jill. Visiblement, relativement peu expérimenté. À l'exercice. Mais elles sont là, hein. Oh là là, ça fait les darons, hein. Oh là, mais quel journalisme. Je sais pas qui c'est ce vieux là. Toutes nos excuses. Toutes nos excuses pour ça. Oh, mais c'est cosplay du swag. Les jeunes, ils ont le temps, hein, visiblement. La fine équipe, bien entendu. Grosse fine équipe. Regardez Karaté qui a l'air heureux et pourtant il est sur le point de perdre son travail. C'est terrible, hein. C'est vraiment terrible. Wouah, mais c'est Best Marmotte, presque. C'est Best Marmoon. La chance du Ramadan. La Belle et la Bête. Sur un stand. Oh, mais c'est quoi ces enfers? Ah, d'accord, c'est des tatouages qui ne sont pas permanents. Celui de Karaté est déjà démoli. Ah ouais, j'avoue, Pentaro, lui, il rigole zéro, en fait. Il fait du vrai journalisme. Du vrai journalisme. Putain. Un random qui essaye de gribouiller un truc sur la Wacom. Ah, c'est le mec de... C'est pas le mec de FMA? Ah là là, c'est craqué. Des trucs tech. Trop de trucs tech après. Pentaro, il achète trop de trucs qui coûtent cher. Et après, toi, t'achètes les trucs qui coûtent cher aussi. Et puis, tu te dis, mais pourquoi j'ai acheté les trucs qui coûtent cher? J'aurais mieux fait de rien acheter du tout. Rien acheté du tout. Orbe fousse. Cette Japan Expo, on va y aller. Je sais pas si vous allez y aller. On va essayer. Moi, je vais essayer. Je vais essayer samedi. Ah! Je vais essayer samedi. Oui, le Splatoon Direct, c'est terminé. Mais ne vous en faites pas. Hein. Un résumé vous sera fait, bien entendu, sur jeuxvideo.com. Comme d'habitude. Hop! Oh là, qu'est-ce que c'est chiant, ça! Boum. Allez, mais fous-moi la paix.
C'est génial. C'est génial. Tu sais, c'est les captcha. Les captcha, ça me fait péter un câble. J'essaye de me connecter et à chaque fois, on me demande des captcha, captcha, captcha. Jamais de la vie, la Japan Expo. Faut le faire au moins une fois dans sa vie, les gars. Faut pas rester assis sur son cul en disant qu'on branle rien. Y'a Gaijin Dash samedi. Y'a vraiment Gaijin Dash samedi. Parce que là, y'a un Gaijin Dash qui vient de sortir. Sortir. Encore. Oula. Non, je serai pas dans Gaijin Dash cette année, je pense. Il faut changer. Vendredi, donc c'est demain. Demain, malheureusement, le travail m'appelle. Bah, y'a trop de monde sauf un jeudi, par exemple. Là, tu vois, c'est assez tranquille de se balader à Japan Expo là en ce moment. Hein. Pour vous dire la vérité. Hein. C'est assez tranquille. Ils ont sorti un Gaijin Dash justement. Mettre 2 ans à les monter. Dimanche, ça va? Ah putain, moi je vais y aller la pire journée à tous les coups. Orbe frousse. Non, la pire c'est le samedi, c'est sûr et certain. Samedi c'est vraiment horrible. Genre vraiment, vraiment horrible. Petit sondage. Donc on va commencer par Splatfest. Glace ou gâteau. Glace ou gâteau, hein, bien entendu, pas de choix multiple. C'est parti, on commence le sondage. Ouin, ouin. Je vous envoie le sondage directement dans le chat. Comme ça, vous pouvez participer immédiatement. Et ensuite, je vais supprimer les giveaways. Là, impeccable. Et je vais lancer un deuxième sondage. Et le deuxième sondage, on a dit, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait demander aux gens là en stropole de la gravité absolue? Qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait vous demander? Est-ce en rapport avec Splatoon? Ou est-ce en rapport avec... Ah, c'était ça. Monsieur Karaté mérite-t-il... Mérite-t-il... encore son travail? Point interrogation. Oui, il est un modèle pour tous. Non, c'est qu'un putain de branleur. Voilà. Et dernière réponse, ne se prononce pas. J'ai peur. Jamais vous pouvez avoir peur, hein. Ça peut arriver, hein. N'ayez pas honte d'avoir peur. Fla, impeccable. Le sondage est parti, nickel. Bam, bam, bam. Hop, moi je vote ça. Nickel, je vote ça. Et on est bien. Putain, mais Glace va la remporter à mort, hein, sur gâteau en attendant. Voilà, et vous pouvez participer, vous pouvez lancer les sondages, c'est bon. Vous pouvez lancer les sondages, c'est bon. Allez-y. Faites parler votre voix à jamais. Faites-nous ressentir une proposition, monsieur Karaté, l'a-t-il un jour mérité? Bah, vous n'avez qu'à répondre, j'ai peur de prendre une patate. Peu ne se prononce pas. La majorité dit oui, il est un modèle pour tous. Si Monsieur Karaté est votre modèle de vie, peut-être est-il temps de vous poser certaines bonnes questions. Le lien ne marche pas, le lien marche très bien. J'ai peur du fla. Si vous avez peur du fla, ne vous prononcez pas. Ne vous prononcez pas. Ça peut être votre modèle. Pour le moment, la majorité du chat, Monsieur Karaté est un modèle. Ça peut être un modèle de vie, hein. Ça peut être un modèle de vie. Tout à fait. C'est un branleur et un modèle pour tous. Les gars, et la valeur alors? Et la valeur travail?
se lever le matin. Est-ce que j'ai testé Flip Wars? Non, je viens juste de le télécharger. J'ai pas eu le temps de jouer encore. Mais si vous voulez, on peut jouer un tout petit peu durant Il est pas shiny. Hein. C'est une émission extrêmement modulable. Extrêmement modulable. C'est vraiment très très modulable. À un point, vous n'imaginez même pas. Alors, t'as juste encore salé du tweet avec le verdier américain au tournoi ARMS. D'accord, je ne suis pas salé. Sachez que le sel est bien au-dessus de moi. Il est ici. Ouah, je gagne un niveau. Ne vous en faites pas pour mon taux de sel. Il est garanti. Moi, je m'inquiète pour l'avenir de mon ami. Je vous fais donc savoir afin que vous envoyiez votre soutien. Évidemment à monsieur Karaté. Essayez de le convaincre de prendre ses responsabilités. Essayez de le convaincre de se lever le matin. Là on cherche Togué des Marues, hein, c'est un peu marqué. Et ce Shiny car c'est un Nichet G va parfaitement compléter mon sens. Et les glaces sont tellement devant les gâteaux. C'est ouf, hein. Tellement plus. Soutien par rapport eh bien, à l'éventuelle perte de son travail et au retrait de ses avantages en matériel. Parce que vous savez, si Trunks dit non, Trunks récupère tout. Il récupère tout. Même le short de Monsieur Karaté appartient à Trunks. C'est vous dire. C'est vous dire. Aujourd'hui, l'entretien est total. Rendez-vous compte. Vous allez quand même pas laisser Monsieur Karaté sans short. Voyez tous ces bonnets s'il en change aussi souvent. C'est parce que Trunks finance un achat massif de bonnets pour pas qu'il ait froid à la tête. Donc rendez-vous compte à quel point c'est important. Rendez-vous compte de ce qu'il y a en jeu. S'il rend toute la bouffe, il y aura pour 10 millions. Peut-être, j'avoue. Il s'appelle vraiment Karaté, bien sûr, c'est son vrai nom. Vrai nom. Guy de Karaté. Vrai prénom et nom de Monsieur Karaté. Voilà. Sa maman l'a appelé Guy. À la naissance, elle trouvait que ça lui allait bien à la tête. Car il est né chauve, il faut le savoir. Un peu comme... Guy Montagnier, c'est ça? En hommage. En hommage à Guy Montagnier. Voilà. C'est un bel hommage quand même. C'est un bel hommage. Pierre Chausson, c'est son nom d'écrivain, Pierre Chausson. Il écrit ses... Il écrit pour des revues de presse extrêmement prestigieuses sous le nom de Pierre Chausson. Guy. Mais non, mais Guy. Vous connaissez Guy Montagnier quand même. Le frère de Gilbert. Le cousin de Sim. Personne ne connaît. Et Bertrand Amar. Oh là, mais Bertrand Amar ce matin, c'était une véritable mobilette. Bertrand Amar ce matin, il est arrivé dans l'open space, il a fait oh là, voilà, ça c'est à moi, ça. Il est arrivé, il a fait foudre. On a bu ses paroles, là. C'est bien. Bertrand, c'est bien. Bertrand, c'est pas très bien. Seulement, il avait l'air content, je sais pas trop pourquoi. Mais ça avait l'air d'être bien. Hein. Ça avait l'air d'être très très bien. Très très bien. Bertrand, c'est un mec qui a pas le temps. C'est l'exact opposé de Monsieur Karaté, si tu veux. Bertrand, il est levé à 5h du matin, il se couche à 3h. Et entre-temps, il y a que des coups de fil et des rendez-vous. Il place ses pions. Il a pas le temps de niaiser. A chaque fois qu'il fait un resto, Bertrand Amar, c'est un restaurant d'affaires. Il négocie 1 million à chaque fois. Tu te rends pas compte, toi. Tu sais pas ce que c'est. Toi qui assis derrière ton ordinateur.
J'ai plus besoin de dormir. Et comme le président est insomniaque, et c'est comme ça qu'il va conquérir le monde. Conquérir le monde. Bah oui, le Tour de France arrive à 3 là. Putain, c'est ce qu'on m'a dit. Je suis trop saucé. Je suis trop saucé. Complètement saucé. Pépé. Bon allez, je vais me redonner un peu de mes pots. Histoire de pouvoir refaire un petit loop de Togé des Marues. Ah, qu'est-ce qu'il m'aime. C'est ouf, qu'est-ce qu'il m'aime. A 3, ils sont passés par Bar-sur-Aube en plus. C'est complètement fou. Alors ce soir à 19h, on aura l'occasion de discuter hein, des différents jeux de combat qui ont été annoncés ou montrés durant le 3. Hein. On va parler de KOF 14 Arcade. On va parler de Marvel vs Capcom Infinite. On va parler de ARMS. On va parler de Pokémon DX rapidement. On va parler de Dragon Ball FighterZ, bien entendu. On va parler de tout ça. Ah, ce paratonnerisme. Est-ce qu'il se fla? Il y a double paratonnerre, du coup je comprends pas comment ça marche. Est-ce que quelqu'un va mourir? Personne. Bon allez, je change de mec. Du design de Shelly dans Marvel, on va pas enfoncer les portes ouvertes. On va pas enfoncer les portes ouvertes. Ça ne sert à rien. On va parler du head de Justin Wong. J'aurais bien voulu parler du head de Justin Wong, mais je sais pas si les vidéos sont disponibles encore. Faudrait ripper. Enfin, j'ai regardé la finale de la Canada Cup. Le match il est nul. Il est nul. Oh, pff. Qu'est-ce qu'il est nul le match. Ah, oh, c'est un peu mou hein. Quand même un peu mou de la bite. Hein. C'est mou, moi je trouve. Je sais pas, on a un head qui fait pas grand chose et je sais pas, ça gagne. Ok, Brad qui regarde son adversaire sans trop savoir quoi faire. J'ai l'impression qu'il veut pas trop sauter. Il est fort le son du jeu? Quand même! Ah! On va baisser un peu. Non, non, il y a des matchs qui sont trop stylés de Street Fighter 5. D'ailleurs, vous avez tout le top 4 là de la FDJ qui est en ligne. Donc, n'hésitez pas. Alors, on va faire, donc, dans Warpass en Pif, un rétrospectif de tout ce qu'on n'a pas vu, du coup. Tout ce qu'on a manqué. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a manqué? On a manqué DreamHack Summer, le CEO. Qu'est-ce qu'on a manqué encore? On a manqué la DreamHack Summer, on a manqué le CEO. On a manqué le Brawl, je sais pas quoi là, comment ça s'appelle. On a manqué 3 tournois premium, il me semble. Je dis pas de bêtises. Il semble qu'on en a manqué 3. On a manqué le Tiger Uppercut, c'est ça. Et on a manqué. Il y a un truc en Brawl, il me semble. Ah, je me souviens plus du nom du tournoi. Bah, attendez, bah, j'ai tout là. Je suis con, j'ai mes notes. On a manqué le BAM9, le Combo Breaker, la DreamHack Summer et le CEO. Voilà. Et il y a le Tiger Uppercut ce week-end. C'était un premium le Tiger Uppercut ce week-end. Désolé, il y avait un chat. Un chat s'est glissé. Le chat s'est amené ici. Tiger Uppercut, c'était un premium. Ah, c'était un ranking, ouais, c'est bien ce qui me semble. Bon, les rankings, je vais les sauter. Je vais les sauter, je pense. Orbe Frousse. Je vais les sauter, je pense. Miaou, un chat, c'est gratuit. C'est gratuit, un chat.
Ah, c'est le chat de Pentarou là. Je sais pas quoi. Toujours sur le compte de Pentarou là derrière. Parce que j'ai fait des LCD Zelda, pas tout. Pas tout encore, pas tout. Putain, mais appelle à l'aide toi, espèce de grosse souris. Donc pour le moment, Monsieur Karaté est un modèle pour nous. Monsieur Karaté semble être sauvé de la GT. On va voir si Trunks va suivre l'avis de la majorité ou réellement eh bien, se passer de ses services. J'espère en tout cas pour Monsieur Karaté que ça va bien se passer. En tout cas, sachez que tout soutien envers Monsieur Karaté était là. BAM9, ouais c'est ça, c'était en Australie. C'est ça. On va faire tous les premiums qu'on a ratés. Enfin les grandes finales en tout cas. Durant la FDJ. En FDJ. Et ensuite, si il y a des trucs que je n'ai pas fait et que je pourrais faire, je vous le ferai en comment ? Je vous le ferai en épisode de comment ? De la garde C arrière ou de shop pas shop. Enfin, un format rapide. Sur YouTube. Car je vais devenir YouTuber, c'est décidé. Je vais devenir YouTuber, il n'y a plus que ça de vrai. Ah mais ce chat, il met tellement le guac. Alors, est-ce que j'ai d'autres scènes à part ça? Oh, j'ai pas eu le temps de travailler mes scènes comme je le voulais. C'est terrible. Regardez, il est pas shiny FDJ eSport. Tu le veux ou tu le veux pas? Regarde. Il est pas shiny. Regardez. Ah, c'est tellement eSport. On est tellement eSport. C'est incroyable. Va-t-il trouver le shiny? Oui, non. L'eSport est là. Hein. Je suis sûr, on pourrait faire du bet. On pourrait complètement faire du bet. Joue à Flip Wars, on s'ennuie là. Mais attendez, on aura le temps de tester Flip Wars, vous en faites pas. Bah, j'ai testé un coup. J'ai juste un câble à débrancher normalement et c'est bon. Normalement. Mais là, je vois qu'il y a des câbles qui ont disparu ici, ça m'inquiète. Nombre de câbles qui peuvent disparaître ici. T'as déjà Togedemaru Shiny Sac JVTV. Je l'ai. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Mais non, j'étais un sac, je l'ai raté. Je l'ai eu. Je l'ai eu le shiny. Je l'ai attrapé chez moi. Remontons le... remontons. Ça, c'est de la faute de Frédéric Lu. À force d'avoir déprogrammé, il est pas shiny. Je ne sais même plus ce que je chasse. Je l'ai eu. Arrêtez. Tweet deck. Tweet deck, le hashtag il est pas shiny. Je suis sur le hashtag il est pas shiny. Voyons voir. Splatoon direct. Les shiny des autres, les shiny des autres, les shiny des autres, les shiny des autres. Les shiny des autres, les shiny des autres. Encore les autres qui attrapent des shiny et pas moi. Non, vous êtes sérieux? Je l'ai eu? Non. Les shiny des autres. Attendez. Les shiny des autres. Mais non. Vous mentez. Putain mais... J'ai une mémoire de poisson rouge. Ça c'est moi qui joue à Magikarp Jump. C'était avant Magikarp Jump. Je l'ai déjà. Shit.
Hey! Togé les marues! Ghetto lasé! Bah c'est bon, je l'ai! Putain, mais je l'ai déjà! Bon bah. Bon bah. Bon bah. Bon bah, pub, hein! Qu'est-ce que vous voulez? Pub. Putain, je me fais si vieux que ça, c'est chaud.